Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mercredi 13 décembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, avant de commencer, merci mon cercle de lumière de me guider dans mon chemin de vie. Je suis prête à honorer ma divinité et à servir l'humanité. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé clair écoute. Et c'est avec l'archange Zadkiel, notre bel archange Zadkiel. Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Le message de ce bel archange Zadkiel. Peut-être que certains d'entre vous, eh bien, vous entendez très clairement de véritables instructions divines. Et elle peut se manifester sous forme de messages répétitifs qui vous poussent à améliorer une situation dans votre intérêt ou dans celui des autres, une situation que vous vivez présentement. Alors, Zadkiel, il vous invite à porter attention à tout ce qui vous vient à l'esprit ou à l'oreille. Les instructions divines sont répétitives, aimantes et bien sûr pertinentes. Demandez à ce bel archange Zadkiel de vous aider. De vous aider si vous avez besoin d'éclaircissement sur quoi que ce soit que vous entendez. Alors travaillez avec ce bel archange Zadkiel. L'aura de Zadkiel, eh bien, il est d'un bleu indigo, mais très profond. Et en portant une pierre de lapis-lazuli, vous pourriez vous sentir en très étroite communication, eh bien, avec ce bel archange Zadkiel. Élevez, si vous avez cette pierre au-dessus de vos sourcils, eh bien, pour éveiller les chakras de l'oreille et entendre clairement la voix du divin. Très beau message de l'archange Zadkiel. Je termine avec mes petites prières pour guérir, n'est-ce pas? Et j'ai pigé pour aujourd'hui convalescence. Quelques questions que vous devez vous poser pour certains d'entre vous. Est-ce que vous prenez suffisamment soin de vous en ce moment? Écoutez-vous votre petite voix intérieure qui est toujours de très bon augure, cette petite voix intérieure, n'est-ce pas? Avez-vous besoin, peut-être, certains d'entre vous, de repos? Pouvez-vous vous accorder un moment de détente tel qu'un massage ou pourquoi pas un week-end complet pour vous ressourcer, recharger les batteries, voire quelques jours de vacances? Est-ce que votre espace vital est-il préservé au quotidien? Ou peut-être êtes-vous débordé par des contraintes dont vous pourriez vous alléger? Pourquoi ne vous accordez-vous pas le droit de vous reposer? Vous avez le droit et le devoir pour votre corps. Reposez votre véhicule, rechargez les batteries. Alors la petite prière de la convalescence, eh bien, mes anges,
mes anges, merci de m'accorder, de m'accompagner dans ce temps de convalescence qui m'est nécessaire pour retrouver mon énergie vitale. J'accepte cette pause salutaire avec reconnaissance. J'écoute les signaux de mon corps et je leur obéis. Et oui, évidemment, si vous n'écoutez pas les signaux de votre corps, ben, qu'est-ce qu'il va arriver? Vous allez tomber malade. Alors, vous allez répéter 3 fois, « Je suis la guérison et je mérite la guérison. » Et pour certains d'entre vous, vous allez me faire le plaisir de prendre soin de vous et peut-être d'écouter votre corps qui vous signale qu'il faut vous reposer. Très très beau message, n'est-ce pas? Eh bien, je vous souhaite une très très belle journée, puis on se retrouve demain avec un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous, mais attention, avec douceur, prenez soin de vous, vraiment. Prenez soin de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez, dans la joie, la gaieté, le rire. C'est salutaire tout ça. Ça porte ses fruits quand on est dans cette optique positive. Et puis on se retrouve demain. D'ici là, moi je vous embrasse tout fort. À demain.